Du basket et l'étendard de Brest qui a bien débuté son championnat en N2 en s'imposant face à Rennes samedi soir. Comme les hockeyeurs, les Brestois n'ont pas raté leur début à domicile. Hein. C'était Salcerdan. On va voir ici les images de Frédéric Lorenzon qui était sur place. Un petit exploit hein, malgré tout pour les Brestois qui l'ont emporté dans le derby breton face aux Rennais. Les Rennais qui étaient privés de plusieurs joueurs importants. Les hommes de Yannick Stéphan, eux, malgré un passage à vide dans le troisième tiers-temps, l'ont emporté 75 à 67 et se placent ainsi dans la première moitié du classement en N2 masculine. On le voit ici, il y avait du monde aussi à Cerdan, pas seulement au Rincla Stadium. C'est la deuxième saison de suite hein, en N2 pour les basketteurs brestois qui espèrent aussi se rapprocher des premiers.